Et ça y est, nous voguons de nouveau sur les mers pour repartir à l'aventure et farmer tout ce fer. Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième épisode du Let's Play sur Valheim. Dans l'épisode précédent, on avait exploré les marécages. Donc, maintenant que j'ai débloqué le fer, évidemment, je l'ai farmé. Je me suis crafté le stuff, l'armure. Tout ça pour partir faire... Et oui, évidemment, le boss, regardez, j'ai été voyager en bateau, même plusieurs fois, plein de fois, pour trouver ce boss qui était tout ici au bout, Mazdos. J'ai déjà préparé le terrain, le portail de téléportation est installé, on n'a plus qu'à s'y rendre et on va... essayer de l'exploser. Peut-être que c'est moi qui vais me faire exploser. Bon, on a été nombreux à me dire que ce boss, il était difficile. En solo, c'est compliqué. Il fallait bien se préparer. Tout ça. Et alors, moi, je vais le tanker, le boss, au bouclier. Voilà. Et je vais sûrement mourir comme un nul en faisant ça. Vu qu'apparemment c'est pas un boss. Il paraît qu'il faut le faire à distance, le boss. Voilà. Bon, j'ai quand même pris mon arc et des flèches, hein, au cas où je devrais m'enfuir. Mais sinon, regardez, on a mis voilà massue de fer niveau 2. Alors le bouclier, je l'ai monté niveau 3. Voilà, faut pas. Si je veux bloquer avec le bouclier, je l'ai monté niveau 3. Mon armure, je l'ai montée niveau 2. Donc, on a nos potions de résistance au poison.
des potions d'hydromel très revigorantes. Donc les potions de vie supérieures, voilà, 75 HP. On a l'hydromel d'endurance. On a aussi l'hydromel savoureux pour avoir 300% de régénération d'endurance. Puisqu'on va donc, je vais essayer de tanker le boss. Donc mon endurance risque de prendre très cher. C'est pour ça que j'ai pris l'hydromel. On a des saucisses, de la soupe de carottes et de la soupe de navets. Et on est parti, on va tenter le boss. Ah non, j'ai oublié. Il faut invoquer, il faut les os. Je reviens, je vais les chercher. Et me revoilà, c'est bon, j'ai été chercher, voilà. 10 os astrophiés. C'est ce qu'il faut pour invoquer le boss. Et du coup, ça y est, on est parti. Je vais à mon... Qu'est-ce qu'on se déplace lentement ? Je vais à mon portail de téléportation. Et voilà, vous voyez, j'ai posé le portail sur un donjon. Comme ça, il est en sécurité. Et nous avons l'hôtel. L'hôtel du boss. Et c'est la nuit, ça ne me réjouit pas du tout. On va manger, hein, voilà, hop, on va monter nos PV. C'est parce que 11 HP, je fais pas le boss avec 11 PV quand même. Hein. Il faut pas exagérer. On va attendre un petit peu que les PV remontent. C'est bon, ça y est, on est full PV, voilà, 142 HP. On a bien notre buff en forme pour la régénération d'endurance. On se prépare. On est parti. C'est parti pour le boss. Où est-ce qu'il va, Pop? Vas-y, dis-moi. Par là. Allez, on le bourre dès le début. Allez, je sais que t'arrives là. Allez. On bloque. Oulala, il bave. Il essaye de nous vomir dessus. Vite, on prend de l'hydromel. Voilà, ça régénère l'endurance. Ouyouyouyouyou, j'ai oublié ma potion. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Des fantômes m'attaquent! Aïe, on a bloqué. Oh non, il va vomir. On s'en va. On a pris le poison, c'est pas très grave. Allez, on va taper. On bloque. Non, pas le tronc d'arbre. Oh là là. Allez, on s'éloigne un petit peu. On va aller le taper. Hein. Ou pas. Non, on va pas le taper finalement. Allez, là c'est bon. On bloque. Allez, on le bourre. On a réussi à bloquer, on s'en va. On régénère notre endurance. Voilà, vous voyez, les 300% de régénération d'endurance, c'est craqué. Hein. On s'en va. Hop. Voilà, on se met ici, tranquille. On va prendre une petite. Allez, on va le taper. On bloque avant. Allez, on tape. On arrête. Voilà, on s'éloigne. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est?
Non, non, pas le squelette, oust. Allez, on y retourne. On bloque. On le tape, on le tape. On régénère notre endurance, voilà, on prend de l'hydromel. Et on tape. On s'éloigne, on s'éloigne. Allez, c'est reparti. On a bloqué le coup. Enfin, on a pris le poison. Allez, viens par ici. On bloque. On va taper. Ta vie descend, c'est bon, c'est bon. On bloque. On va... Il n'y a plus de terre ferme, mince. Il va vomir, non, il va nous vomir dessus, non. Voilà, hop. On se met à l'abri ici. On attend que notre endurance remonte. Et dès que la brume est partie, on y va. Allez, c'est parti. C'est bien, ouais, on tape. Il va nous vomir dessus. Non, non, non. C'est pas bon. On régénère notre endurance. On bloque. Allez. On y va, on tape. La moitié de sa vie, il est mid-life. On bloque. On régénère de l'endurance. Ah non, il va nous vomir dessus. Oh. Est-ce qu'on est? Non, on n'est pas à l'abri ici, non, en fait. Oui, il nous a balancé une boule. On va... Une potion de soin? Non, pas encore. Hein. On n'a pas besoin de potion de soin. On est encore bien en PV. Hein. Allez, allez. Faut rien lâcher. Il faut faire attention. Non, il va vomir. Oh, mais il est dégueulasse, ce boss, quoi. C'est pas gentil de vouloir nous vomir dessus. Hein. Allez, on va bloquer. Tac, voilà. Et on tape, on tape. On... Oh, j'ai mis du 102 de dégâts, je crois, 121. On bloque, voilà, on tape. On régénère notre endurance. Voilà, 300% de régénération. Et on continue à taper. Aïe. Ah, j'ai pas bloqué, j'ai l'impression. Ouh là là, il va nous vomir dessus. On s'en va, on s'en va. Voilà, là on est bien. Ah, le poison qui fait mal, hein. Ça va être... Allez, on y retourne. Il est bientôt mort, là, on va l'avoir. Hein. On a bloqué, on tape. Non, non, il va encore nous venir dessus. Non, 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 non. C'est pas gentil, dis donc. Oula, on va prendre une petite potion de soin. Hein. Voilà. Petite potion de soin. On s'éloigne. Voilà, c'est ça. Vomi. Vomi là-bas. Moi je vais ici. Mazdos. C'est bon, on est revenu full vie. Ou presque. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je remange? Non. On a bloqué, on y va. Tac. Ah, il va vomir, il va vomir. Ouh là 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 là. On est dans le poison. L'endurance, faut que l'endurance se régène. Ça, j'avoue, l'hydromel pour l'endurance, c'est craqué. Hein. On bloque. On y va. On tape, on tape, on tape. La vie descend bien. Aïe.
Il va nous vomir encore. On s'éloigne. Allez, allez, on se prépare. Endurance est bon. On bloque. Et on tape. Allez, allez. Il a plus beaucoup de vie là. On peut le perdre. On peut le perdre. On garde de l'endurance au cas où. Allez. Oui, vas-y, vas-y, on le termine. On le termine. Allez. Oui, c'est bon. On l'a vaincu. On a vaincu la masse d'os. Oh là là, regardez-moi ce momi qui... Oh là 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 là. Non, c'est pas le moment de se faire tuer. Oh là là. Non, c'est pas la Gadou. Trophée de masse d'os. Trophée collecté. Et le brichet, ça y est. C'est la victoire du tanking au bouclier. Oh, et bah Ugin, peut-être que... Ah, tu viens nous dire quelque chose, tu viens nous féliciter. Ah bah c'est gentil. Apparemment, un des os de cette... ossuaire vivant dans son ventre était un bréchet. Cet os contient une magie puissante qui peut vous guider à des choses cachées sous terre. Il peut détecter les filons d'argent, mais peut également vous mener à un trésor enfoui. Ah ah. Ah bah merci, Ugin. Bréchet. D'accord, en fait, ça marche. On l'équipe. Et ça indique des trésors. Ok. D'accord. Il y a des trésors n'importe où ? C'est-à-dire que... Ici, si je me balade, je peux trouver des trésors ? Ou ça marche que pour l'argent ? Non, hein, je sais plus. Ça, il a dit qu'il y avait des trésors enfouis, mais ça peut être... Oh ! C'est ça ? On dirait que c'est ça, hein. Ça nous indique quelque chose. On dirait que c'est ici, mais il y a ce tronc qui nous bloque le passage. Est-ce qu'il y a un trésor ici? Déjà? Eh ben attendez, on va miner, on va creuser. Oh, du tas de boue. D'accord, on peut trouver des tas de boue comme ça. Et le truc... Ah, le trésor, c'était le tas de boue. Hein, donc ce n'est pas seulement pour le minerai d'argent, ça marche aussi pour les autres minerais. Le tas de boue, il donne du fer, là, normalement. Ouais, de la ferraille. D'accord, ok. C'est comme ça que ça marche. Donc le fer, c'est pas uniquement dans la crypte, c'est aussi dans le sol. Ok. Ah bah ça c'est... Je savais pour le minerai d'argent, mais je ne savais pas que ça fonctionnait pour les autres minerais aussi. Moi quand il parlait de trésor, je sais pas, je m'attendais à un coffre ou quoi. D'accord. Mais écoutez, c'est la victoire du boss. On va aller installer son trophée. On rentre à la maison. Un objet vous empêche. Ah, évidemment. Évidemment, j'ai ramassé de la ferraille. Alors tiens, hop. Oh bah il me restait de la ferraille dans ce coffre. Que j'ai pas récupéré. C'est bon ? On peut traverser ? Oui ! Et du coup, on va directement placer le trophée. Alors. Trophée. Non, comme ça.
Est-ce que t'es connecté? Est-ce que j'ai bien écrit trophée? Oui, c'est bon, il est connecté. Parce que oui, j'ai placé un portail de téléportation à côté des trophées. Voilà, comme ça on fait pas le chemin. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le trophée du boss Il est où? Des os et une substance visqueuse, maintenues ensemble par une force invisible. Offrez-la aux pierres sacrificielles. Ah bah go, on va essayer ça tout de suite. Du coup, c'est... Mais oust! Laissez-moi tranquille! Voilà, donc là, bah oui, c'est lui. Alors, lire, si on lit ça... Voyageurs, regardez donc vos pieds qui foulent notre lieu de repos. Un millier d'os décharnés vous tireront jusqu'à votre tombeau. D'accord, merci. Je peux mettre le... Je peux le mettre, oui, merci, voilà. Mais c'est tout petit! Mais il est tout petit le trophée! Caribou, il est super grand. Lui, il est moyen. Lui, il est tout petit. Résistance contre les dégâts physiques. Modificateur de dégâts. Résistant vs tranchant, coupant et perforant. Ah. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Un pouvoir de déchu, on va l'activer. Donc, on est plus résistant. Attends, qu'est-ce que tu nous dis encore? Non, il veut plus nous remettre le message. D'accord, tranchant, coupant et perforant, et pas contre... Attends, qu'est-ce qu'on a, nous? Dis tranchant. Ok, bah ok, de la réduction de dégâts. Alors, si je... Donc là, on a par exemple, je sais pas, on a 50 points d'armure. Si j'active, ça met pas d'armure en plus, hein, j'imagine, non. C'est juste... Voilà, ça dure 5 minutes. Et oui, ben on voit pas, il n'y a pas de chiffre. On est plus résistant, mais à combien de pourtant? Ben, je sais pas. Et je sais pas s'il y a moyen de le voir. Mais écoutez, ça y est, on a débloqué le bréchet. On va pouvoir aller dans la montagne. Chercher de l'argent, chercher un petit compagnon aussi. On va peut-être se chercher un petit louveteau. Ça serait une bonne idée, ça, pour un petit croc-blanc qui vienne nous accompagner dans nos prochaines aventures. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Oh là là là. Bon, du coup, maintenant, il faut que je refarme une deuxième fois le boss pour avoir son trophée dans ma maison. Les autres aussi, d'ailleurs. Et comme de coutume, après chaque victoire, place à l'hydromel!